Bonjour à tous, c'est Benjito Sportscars de retour pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une réception d'une multitude de cartes en tout genre, de plusieurs sports et pas que des cartes d'ailleurs, vous verrez. Petite surprise que je vais vous montrer assez tôt dans la vidéo. Donc ça vient d'achats essentiellement. Oui, il n'y a que des achats même, mais de différents endroits. Donc on va découvrir tout ça ensemble et on commence tout de suite par les sports un peu différents, surtout un où je me suis acheté sur eBay des paquets de BBM 2020 en sumo. Donc on est sur du sur ben des paquets typiquement japonais, voilà, comme vous pouvez voir. Donc assez drôle et sympathique. Donc là on part sur un paquet qui va dans la collection et l'autre paquet qu'on ouvrira une prochaine fois, parce que j'attends également du baseball japonais. Je me ferai une petite ouverture de paquets japonais en vidéo et on verra ça ensemble ce que ça vaut. Voilà, c'est plutôt original et ça change un petit peu, donc c'est très très bien. On continue hors carte, où je me suis pris donc pour ma collection de Ryan Braun des tickets de match. Donc Ryan Braun, c'est ce joueur-ci en baseball. Donc des tickets de match récupérés sur eBay également. Donc on est sur des billets qui datent. Là on est sur du 2010. Celui d'avant, on était. Où est-ce qu'elle est la date? C'est ici, 2018. Voilà, donc on est sur 2012. Donc que des billets à l'effigie de mon joueur préféré. Voilà, là c'est juste pour le plaisir, hein, ça n'a pas grande valeur. Mais ça fait très plaisir de rajouter ça dans la collection. Donc on est collection donc de Ryan Braun. Donc si vous avez du Ryan Braun, donc joueur des Brewers de Milwaukee, qui d'ailleurs risque de prendre sa retraite parce qu'il a 37 ans, je crois. Donc si vous avez des joueurs des cartes de ce joueur, n'hésitez pas surtout à me contacter. Je pourrais être intéressé. Ensuite, dans les cartes reçues, on a ces cartes-là qui sont PC. Celle-ci qui finira certainement en grading, parce que je l'aime bien, elle a des belles couleurs. Donc, carte de Drew Brees, une Grady Rond, collection Donruss, des bouclettes, car vous savez peut-être, je suis un grand fan de bouclettes, donc si vous en avez pareil, n'hésitez pas à me contacter. On voit derrière, coucou. André Drummond. Je garde également une Allen Iverson. Lonzo Ball. Blake Griffin. Paul George. Deux fois. Chris Paul. Et Théo Malédon. Que je vais envoyer à un ami. Donc voilà, donc toutes celles-ci je les garde, donc pas besoin de me contacter pour les récupérer, elles seront pas disponibles. Par contre les prochaines sont disponibles, si ça vous intéresse, disponibles sur le site internet benjitosportscards.fr, donc n'hésitez pas à y faire un tour. On a un booklet qui sera disponible, donc de Marc Gasol et Steven Adams. Toujours aussi beau, hein, ces bouclettes. Hein. Ça prend un peu de place. On est sur 99. Mais par contre, ça vaut le coup. Donc, on est sur du multisport, mais je crois qu'il n'y a que football américain et basket. Ah non, il y a du hockey sur glace aussi. On est vraiment sur du multisport. Donc, c'est parti. On commence avec Chris Goodwin, Julius Peppers, Donruss. Une très belle Mashon Latimore en mosaïque. Jarrett Stillman.
Julian Edelman et Drew Bledsoe. Voilà pour le football américain. J'ai reçu également du hockey sur glace. Donc ce sont que des bases, je crois. JT Miller, Tanev, Max Domi, elles sont plutôt sympas, celles-là. Non, il n'y a pas que des bases. Il y a quelques inserts avec les canvas. Eriksson, Galchenyuk, Green, Tuès, Nichulkin. Toujours des noms un peu particuliers, hein, ok, parce que comme il y a beaucoup de pays avec des noms plus compliqués, entre les pays scandinaves et tout là. Donc une petite marquise rookie, ça plutôt sympa. Donc pareil, hein, tout ça c'est disponible sur le site, hein, donc n'hésitez pas. Kovalchuk, McQuaid, Reader, Austin Matthews, un très bon joueur des Maple Leafs, sont vraiment 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 belles celles-là. Je ne les garde pas parce que je ne peux pas tout collectionner. Hein. Je vous rappelle que en hockey sur glace, je fais le gardien, l'ancien gardien des Rangers, donc Lundqvist, et je fais Claude Giroux des Flyers de Philadelphie. Ensuite, on continue avec des innovations. C'est bien innovation, oui. Non, illusion, pardon. Chaque fois, je pense à innovation, je sais pas pourquoi. Bon, c'est des illusions. Bon, Panini illusion. Donc avec D'Angelo Russell, Jack Lehman. Donc là, on est sur des cartes plutôt brillantes. Kevin Werther, LaMarcus Aldridge, Dejounte Murray, Tristan Thompson, Daniel Arus, Torin Prince, Josh Jackson, Kevin Love et Jaren Jackson. Et la dernière réception, c'était, donc on en a vu un peu tout à l'heure, c'était donc les Panini Contenders. J'en ai pas mal, j'avais pris plusieurs spots sur une boîte, c'était sur Alex Card Break. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Facebook, vous avez des breaks très 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 régulièrement, avec des très belles boîtes à ouvrir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Alex Card Break. Donc on a du Trae Young, Chris Middleton, Bradley Beal, DeMar DeRozan. On a une belle Kira Lewis, CJ McCollum, Buddy Hield, Tony Delk, Devin Booker, Devon Dodson, Buddy Hield, Tyrese Maxey, qui nous fait des fois des belles performances aux Sixers, Anthony Davis, Jaren Jackson, Chris Middleton, Darren Fox, John Wall, Cole Anthony, très bon rookie des Magic, Rui Hachimura, Jalen Smith, que j'aime bien également, John Wall, D'Angelo Russell, encore du Russell, Bradley Beal, je crois qu'elle est en double, il me semble, Isaac Okoro, des Cavaliers, si je ne me trompe pas, de Cleveland. Donc là, on est sous le maillot universitaire, hein, sur ces cartes-là. Zach LaVine, Russell Westbrook, Oladipo, encore une Westbrook, le numéro 1 de la draft, Anthony Edwards. La carte disponible, hein, sur le site également. On a une Jamorant. Et pour finir, j'ai récupéré l'auto de la boîte. Christian Doolittle. Donc en stickers. Non numéroté, je crois. Oui, c'est ça. Donc disponible également sur le site internet de benjitosportscards.fr.
Voilà les amis pour ma dernière grosse réception, enfin mes dernières réceptions. D'autres vont arriver évidemment. Hein. Mais là, on avait pas mal de cartes, surtout avec les breaks de. Parce que les Illusions, c'est aussi les breaks d'Alex Card. Donc, et celle-ci, je crois également. Me demande si c'est pas les Chronicles, hein, celle-ci. Donc. Tout ça, c'est NHL, pareil. C'est les breaks d'Alex, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de toutes mes vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!